Bonjour à tous, dans cette vidéo je souhaiterais vous présenter UOBI Global. Mais avant d'entamer le sujet, j'ai été contacté par UOBI Global via un contact pour faire la promotion et la présentation de leur plateforme. Avant toute chose, dès que j'ai reçu l'information, je me suis dit cette plateforme je connais, j'ai confiance en cette plateforme et j'avais déjà entendu parler, j'avais déjà vu leur blockchain, ça s'appelle la blockchain Echo. Et donc du coup, j'avais une petite confiance en UOBI Global, mais je n'avais pas déballé le sujet. Et je me suis dit, vu que c'est une vidéo sponsorisée, je vais donc demander à ma communauté qu'est-ce qu'ils en pensent et s'ils souhaiteraient voir ce type de vidéo sur la chaîne YouTube. Et c'est pour ça que je tiens à vous avertir que ce sujet est sponsorisé par UOBI Global. Et donc, je vous remercie d'avoir voté pour certains d'entre vous sur mes réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter. Et donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur ces réseaux. Comme ça, vous aurez des news assez régulièrement sur mes stories ou sur d'autres sujets, etc. ou en publication. Et maintenant, je vous présente UOBI Global. C'est parti. UOBI Global est donc une plateforme d'échange centralisée, un peu comme Binance. Il y a une équipe derrière tout ça. Et donc, ils y sont basés dans certains pays. Et donc, lorsque vous allez vous créer un compte, vous allez donc vérifier votre identité si vous souhaitez déposer des monnaies fiduciaires. UOBI Global a donc été créé par UOBI Group. Ils ont lancé leur premier service en Corée du Sud en 2017, puis en 2019 en Chine et maintenant dans le monde entier. Donc ce qui est intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle propose différents types de services dont je vais vous en parler juste après. Et ils vont avoir aussi des frais qui sont relativement faibles en fonction de ce que vous souhaiteriez faire. Et je vais vous présenter aussi leur blockchain et leur finance décentralisée Echo qui peut être super intéressant. Alors ce qui est intéressant, c'est que la plateforme UOBI Global est disponible sur différents supports, smartphone, tablette ou sur ordinateur, Mac, OS ou Windows ou même sur Internet. Et ça c'est top, je vous mettrai les liens des applications dans la description de cette vidéo. Et si vous êtes débutant, ce qui est intéressant, c'est que sur l'application UOBI Global, vous allez pouvoir avoir un mode débutant où tout sera simplifié et vous avez juste à acheter ou revendre des crypto-monnaies. Vous n'avez pas des graphiques boursiers partout ou des marges, etc. Bref, cela va juste être la conversion d'euros vers des cryptos ou cryptos vers crypto. Donc comme je vous l'ai dit, l'inscription est totalement gratuite sur la plateforme. D'ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui sera dans la description de cette vidéo. Je vous mettrai aussi un deuxième lien si vous ne souhaitez pas utiliser le lien de parrainage. Vous n'avez pas l'obligation de vérifier votre identité à partir du moment où vous ne déposez pas des monnaies fiduciaires. Donc euros, yens, dollars, etc. Donc les différents services que UOBI Global propose. Vous avez le trading classique, vous avez le trading sur marge, vous avez aussi un robot qui va vendre et acheter à certaines targets que vous aurez fixées. Vous avez aussi des produits dérivés, des swaps de sur crypto, des swaps de marge sur USDT. Mais pour accéder à ces produits dérivés, donc les trading futures, les swaps de marge en crypto et en USDT, vous allez devoir vérifier votre identité sur UOBI Future. Donc je vous mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Vous avez aussi un onglet finance qui va vous permettre de stacker vos crypto-monnaies. Vous avez aussi Prime Pool qui vous permet de miner des crypto-monnaies avec le stacking de certains types de crypto-monnaies sur UOBI Global dans le portefeuille Prime Pool. UOBI Earn qui va vous permettre de générer des crypto-monnaies avec un rendement composé sur UOBI Global. Vous avez aussi la possibilité d'investir dans l'ETH 2.0 dans la Beacon Chain. Alors qu'est-ce que c'est qu'Ethereum 2.0? Je vous redirige vers ma vidéo à ce sujet. Et comme sur Binance, sur UOBI Global, lorsque vous allez déposer vos ETH sur ETH 2.0 de UOBI Global, vous allez recevoir des BETH que vous pourrez faire ce que vous souhaitez avec vos BETH, sachant que 1 ETH est égal à 1 BETH. Vous avez aussi UOBI Wallet, qui est tout simplement un wallet non custodial, qui va vous permettre d'interagir avec la finance décentralisée, avec votre portefeuille, compatible avec la blockchain Echo, mais aussi la blockchain Ethereum. Et vous avez aussi donc sa blockchain Echo et son token UOBI Token, le HT. Alors maintenant, passons aux frais. Sur UOBI Global, nous avons 0,2% de frais par trade
tout simplement effectuer sur la plateforme. Peu importe les quantités que vous allez trader. Mais si vous utilisez le trading crypto vers crypto, vous pouvez bénéficier d'une réduction en payant vos frais en token UOB token, le HT. Bien évidemment, vous aurez toutes les références dans la description de cette vidéo. Alors au niveau des frais de dépôt, en euros, les frais seront gratuits en virement SEPA. Cependant, si vous souhaitez retirer vos euros de la plateforme UOB Global, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, ce n'est pas possible et je vous tiendrai au courant dans les commentaires de cette vidéo. Ensuite, si vous souhaitez donc déposer des crypto-monnaies sur UOB Global, vous pouvez sans vérification d'identité et les frais sont gratuits. Par contre, si vous souhaitez retirer vos crypto-monnaies de la plateforme, tout va dépendre de la crypto-monnaie et du réseau sur lequel vous souhaitez déposer. Mais bien évidemment, tout dépend du token que vous allez retirer. Alors maintenant, parlons de la blockchain Echo. La blockchain Echo, je ne vais pas rentrer trop dans les détails car je souhaiterais vraiment dédier une vidéo à ce sujet, l'écosystème Echo. Mais juste pour vous faire simple, la blockchain Echo, c'est une blockchain extrêmement rapide. Les blocs sont validés environ tous les 3 secondes et vous allez avoir des frais qui vont être vraiment très très dérisoires. Et ce qui est intéressant avec la blockchain Echo, c'est que nous allons retrouver des applications de la finance décentralisée de la Binance Smart Chain dessus. Donc on va retrouver par exemple Bifi Finance et aussi Belt Finance qui sont deux gros protocoles de la Binance Smart Chain. Au niveau du token HT, UOB token, eh bien ce token, c'est un token qui est développé sur la blockchain Ethereum et qui a été ensuite intégré à la blockchain Echo. Ce qui est intéressant, c'est que ce token est vraiment dans le top 100 du CoinMarketCap dont vous pourrez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Et le token UOB token a été intégré dans la blockchain Echo pour vraiment payer les frais de transfert et de transaction. Ce qui permet de nous dire que c'est un token, un véritable utility token, un peu comme Ethereum sur son réseau en payant les frais en Ether. Et bien là, sur la blockchain Echo, on va payer les frais en token, UOB token. Je dirais pas acheter parce que ça me perturbe psychologiquement. Alors si vous souhaitez avoir mon avis sur UOB Global, pour moi c'est une véritable plateforme d'échange extrêmement safe, mais vraiment aussi très compétitif par rapport à Binance. De part, déjà dans un premier temps, au niveau des KYC, sur Binance, vous allez devoir vérifier votre identité à la moindre transaction en euros comme en crypto, ce que ne vous permet pas de le faire UOB Global. Car sur UOB Global, vous avez juste à vérifier votre identité pour les transferts et les échanges avec les monnaies fiduciaire. Après, peut-être que cela pourra changer au fur et à mesure du temps, car les réglementations varient beaucoup au cours du temps. Mais à l'heure actuelle, c'est vraiment un avantage d'utiliser UOB Global. Cependant, nous n'avons pas la possibilité de retirer nos euros à l'heure actuelle au juste de cette vidéo. Donc c'est un inconvénient, mais je pense que c'est juste des problèmes techniques et cela reviendra au fur et à mesure du temps. Et ce qui est intéressant, c'est que UOB Global nous apporte donc l'accès à sa finance décentralisée Echo, qui peut être super intéressant et dont je vous détaillerai un peu plus tard dans de prochaines vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vidéo tombe à pic car UOB Global souhaiterait lancer un tirage au sort dont vous retrouverez toutes les informations dans la description de cette vidéo. Je vous remercie énormément, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez donner votre avis sur les partenariats et les sponsorisations de cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à voter dans ma story sur Instagram, vous retrouverez aussi tous mes réseaux sociaux. Je vous remercie énormément, puis on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao!